Bah, du coup, je me présente pour ceux qui ne m'ont pas déjà croisé. Donc, je m'appelle Carole Vuillot. J'ai fait ma thèse en fait, entre le CEF à Montpellier et ici, Dinafort. J'étais encadrée par Raphaël Madvé au CEF et Annick Gibon ici. Et un peu Kaya aussi, bien vous dire. Et puis, donc, j'ai travaillé en thèse sur les paysages agricoles et la biodiversité dans les représentations sociales et les modèles mentaux des agriculteurs. Et aujourd'hui, je suis en post-doctorat au Muséum National des Sciences Naturelles, au sein d'une équipe qui s'appelle le CESCO, le Centre d'écologie et des sciences de la conservation, et dans une équipe qui s'appelle Transition écologique et expérience de nature. Et mon projet de post-doctorat porte sur la représentation sociale de l'arbre en milieu urbain et périurbain. Et là, l'idée, c'est de vous présenter des premiers résultats. Donc, on a commencé par le milieu urbain, donc je vais plus vous parler de ville aujourd'hui. Et donc j'ai intitulé ma présentation « Dynamique de la représentation sociale de l'arbre en milieu urbain » et je vais vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a fait à l'occasion du stage de Master 2 de Marie-Lou Dufournet, qui a été enquêtée auprès des habitants de Duny dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Donc, je vous expose un peu le contexte de ce projet de recherche. Donc, mon post-doctorat est financé par l'allocation jeune chercheur de la Fondation de France sur le thème de l'agroforesterie tempérée. Et en fait, ce qu'on a proposé dans ce projet, c'était d'explorer plus les dimensions, les freins et les leviers socio-psychologiques au développement de l'agroforesterie, parce qu'il y a en gros une problématique. Développement de l'agroforesterie en milieu tempéré où ça reste assez peu développé et il y a plein de leviers qui ont été déjà évoqués, le manque de connaissances agronomiques, le manque de subventions adéquates, etc. Mais peu de choses sur les aspects socio-psychologiques et donc voilà, on avait proposé d'explorer ces dimensions sur les rapports et les usages de l'arbre en milieu urbain et périurbain. Alors pourquoi on s'est intéressé aux espaces urbains et périurbains? Parce qu'on a considéré que c'était des milieux qui avaient ce site particulier qui constituent un peu des espaces frontières entre les représentations rurales et urbaines et que ça pouvait avoir des impacts sur la dynamique paysagère assez fort. Et donc on peut penser que ces territoires sont potentiellement des terreaux d'émergence d'une représentation un peu différente de la place de l'arbre. Dans les espaces périurbains, de par ces confrontations. Donc, c'était un peu l'hypothèse de travail. Et par ailleurs, on sait que les représentations sociales, si elles évoluent en fonction des contextes socio-écologiques comme ça, par contre, elles ont aussi une certaine inertie. Et donc, on s'est essayé d'étudier la dynamique temporelle de la représentation de l'arbre afin de comprendre, voilà, en aval, après, dans quelle mesure ça peut être considéré comme un frein ou un levier au développement de la foresterie périurbaine. D'où la thématique générale, donc la dynamique des représentations sociales de l'arbre hors forêt, en milieu urbain et périurbain. Donc là, moi je vais m'intéresser dans un premier temps au milieu urbain. Donc c'est ce que je vous disais dans le cadre du stage de Marie-Lou, on a fait un cas d'étude à Duny. Un plan classique de présentation, donc je vais vous parler rapidement des cas théoriques que j'utilise et puis des questions, de la méthodologie qu'on a employée et puis des premiers résultats qui sont encore un peu exploratoires mais que ça va être l'occasion de discuter. Donc je vais peut-être passer rapidement là-dessus parce que pas beaucoup de temps et puis peut-être c'est des choses que vous avez quand même à l'habitude. Donc, nos relations avec le réel et avec la nature en particulier sont médiées par des représentations. Et ce que moi j'entends dans la suite par représentation, c'est donc un travail de l'esprit sur un objet qui va se traduire dans l'esprit sous forme de symboles. Et donc, ça peut être des mots, des images, des modèles qui en fait créent des images mentales des objets extérieurs. Et je vais m'intéresser particulièrement à ce qu'on appelle les représentations sociales, qui sont une forme de connaissance, donc de représentation, qui, elle, est socialement élaborée et partagée. Donc ce sont ce
qu'on peut appeler des univers d'opinion, donc un ensemble d'éléments cognitifs, des opinions, des informations, des croyances et les liens entre eux. Et la particularité des représentations sociales, c'est que donc, ce sont des représentations d'un objet qui sont propres à un groupe social, c'est-à-dire qui participent à créer une réalité commune à ce groupe. Donc, dans notre cas, on peut penser que les habitants urbains d'une même ville forment un groupe social et qui est propre à un objet de l'environnement social. Dans notre cas, j'avais une petite image du groupe social, et dans notre cas, l'objet, c'est l'arbre hors forêt. Et ces représentations sociales, elles ont une visée pratique d'appropriation de l'objet ou d'opposition par rapport à d'autres groupes d'acteurs pour ensuite permettre de guider les actions. Alors, moi je m'appuie en général sur l'approche dite structurale des représentations sociales, c'est-à-dire qu'il s'agit de considérer que c'est une représentation qui est structurée, c'est-à-dire qu'il y a des relations entre les différents éléments de la représentation, et qu'elle est structurée par son degré de consensus, qui va dépendre de l'hétérogénéité du groupe social et de l'enjeu que l'objet représente pour le groupe. Donc on considère que c'est constitué de ce qu'on appelle un noyau central, qui est la partie la plus consensuelle de la représentation et la plus stable au cours du temps en particulier, mais aussi selon les contextes socio-écologiques. Et que dans la représentation, il y a d'autres éléments qui sont dits des éléments périphériques et qui permettent en fait l'adaptation des représentations au contexte, aux prises de position individuelles au sein d'un groupe et aussi l'adaptation au cours du temps. Donc c'est souvent dans les éléments périphériques qu'on va chercher à étudier un peu la dynamique de la représentation, puisque ça va être les éléments qui sont les moins, a priori les moins stables. Voilà, donc c'est... Ces représentations sociales, ce sont des connaissances qui sont situées, c'est-à-dire que ça dépend du contexte socio-écologique, et une connaissance qui est dynamique, c'est-à-dire que c'est a priori pas fixiste, et qui est dynamique à la fois dans le temps et dans l'espace. Ça, je vais passer vite, c'est un exemple pour que vous compreniez de quoi je parle. C'est juste pour vous être a priori familier, mais si on prend l'exemple de la haie, qui fait partie des structures agroforestières, on peut regarder un texte d'un géographe rural de 1967 qui décrit un peu le rôle de la haie dans les espaces agricoles en Bretagne et qui estime que ça fait perdre de la place, que ça gêne par l'ombre portée, que ça gêne les manœuvres des machines, que c'est fastidieux à entretenir, que ça, par exemple, ça maintient l'humidité sur les chemins et gêne l'écoulement des eaux, que ça abrite des animaux nuisibles, etc. Et si on regarde dans le même contexte breton, actuellement la communication des agronomes, on peut voir que sur les mêmes éléments, par exemple le fait que la haie gêne l'écoulement des eaux, on a une représentation différente, c'est-à-dire que là maintenant la haie protège les rivières et elles ont des avantages reconnus comme ralentir l'écoulement des eaux, ce qui ralentit le transfert des polluants, régule... procure de la régulation hydraulique, etc. Et un autre exemple, si on prend le fait que la haie abrite des animaux, ce qui était proposé comme des animaux nuisibles tout à l'heure. Donc là, on parle de favoriser l'équilibre de la biodiversité et de zones de refuge, d'habitat et de protection. Donc voilà, ce que je voulais juste mettre en lumière, c'est que les changements de représentation, c'est pas qu'on a découvert de nouvelles choses, ou c'est que sur les mêmes éléments, on va avoir un angle, une vision. Différentes. Et donc là, le pas de temps, c'est une quarantaine d'années. On a eu une évolution des représentations. Et donc ça, c'était pour illustrer rapidement qu'elles sont aussi dynamiques dans l'espace. Et j'ai pris un exemple des résultats de la thèse, mais je ne vais pas du tout développer, c'est juste illustratif. Le rôle de la haie peut être perçu différemment selon les sites géographiques. Et donc... Alors, je ne sais pas si on voit bien, mais l'idée c'est que là j'ai encadré le terme de bordure qui a été évoqué par les agriculteurs dans leur vision de l'organisation du paysage agricole. Donc les flèches sont des interactions qui ont été perçues. Et donc on voit que dans les quatre sites, c'est assez, assez différent. Et c'était juste, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'était juste pour illustrer cette hétérogénéité selon l'espace. Et un autre exemple que j'avais oublié,
une étude qui a été menée par Perrichon en Bretagne et qui a montré les représentations sociales différentes du paysage bocager selon la distance à l'agglomération rennaise. Et donc ça, c'est ce qui conforte un peu notre hypothèse de l'influence des représentations urbaines sur, les représentations périurbaines et l'aménagement du paysage. Donc nous, dans le cadre de ce projet-là, ce qu'on s'est demandé d'abord, c'était quel était le contenu et la structure au sens de noyau périphérique, ce dont je parlais tout à l'heure, de la représentation sociale de l'arbre en milieu urbain, avec une hypothèse de travail que plus on était urbain, plus on était distant en termes de pratique d'implication et d'interaction de l'arbre. Ce qui, d'après la littérature en psychologie sociale, nous mène à faire l'hypothèse que la représentation qu'on allait trouver serait plutôt symbolique et normative, plutôt que fonctionnelle. Et en termes de normative, on imaginait une représentation assez esthétisée ou esthétisante de l'arbre chez les urbains. Et notre deuxième question, c'était celle de l'évolution temporelle de la représentation sociale de l'arbre en forêt. Et avec pour hypothèse qu'on pouvait distinguer une évolution au cours du temps. Et donc qu'on verrait ça dans les différences dans la périphérie entre les générations, donc selon un gradient d'âge en fait. Et voilà, que éventuellement dans les zones. Que ça veut rien dire cette. Ah si, si, pardon. Que dans les zones périphériques des adultes ou le noyau central des jeunes, on aurait des éléments qui étaient nouveaux par rapport à un état de référence. On peut discuter plus tard. Donc, pour vous présenter donc la première étude pilote là qu'on a fait sur ces questions-là, donc on a été à Duny, qui est une commune à peu près 10 000 habitants, située en Seine-Saint-Denis. C'est une zone plutôt résidentielle, parce qu'il y a en gros, le nombre d'emplois de la commune étant inférieur au nombre d'actifs. Et on y trouve une majorité de logements collectifs et la plus grande part de logements sociaux du département. Comme vous voyez, c'est une ville qui est enclavée un peu entre l'aéroport et le parc de la Courneuve, qui est normalement on n'en voit qu'une partie, parce que vous ne voyez que le parc de la Courneuve qui est dans Duny, mais c'est un parc immense hein, qui va beaucoup plus à l'ouest, comme ça. Et qui est donc assez resserré sur elle-même avec des dynamiques de quartier et de village, enfin, c'est pas un village, mais c'est une ville, mais. Qui pour nous était un bon terrain d'étude parce que ça laissait penser qu'il pouvait y avoir l'émergence d'une représentation sociale. Il faut que les gens interagissent entre eux pour qu'il y ait une représentation sociale. Donc on a administré un questionnaire en face à face à des personnes de manière opportuniste dans l'espace public entre mi-mai et mi-juillet 2017. En gros, un questionnaire avec des questions fermées et des questions ouvertes, à peu près une vingtaine de minutes. Et on a essayé, dans la mesure du possible, d'équilibrer l'échantillon en termes d'âge et de sexe avec un succès relatif. Donc, vous voyez à peu près la répartition dans notre échantillon des classes d'âge et des femmes et des hommes. Alors. Les enquêtrices, peut-être. Donc les enquêtes, elles ont été réalisées principalement par Marie-Lou et par moi. Bon, elle en a fait la plus grande partie, j'en ai fait une dizaine et elle en a fait 70. Donc dans nos méthodes d'élicitation des représentations sociales, parce que je rappelle, c'est des structures internes aux individus, donc il s'agit de les éliciter. On a d'abord une première partie qui consiste en un exercice d'évocation libre, donc avec le mot inducteur arbre. Il s'agit de demander aux personnes de citer spontanément les mots qui leur viennent à l'esprit à l'écoute du mot inducteur, dans l'ordre dans lequel ils lui viennent à l'esprit, donc, et ce que j'appelle l'ordre d'apparition. Et dans un second temps, on leur demande de les classer par ordre d'importance, ce classement étant généralement assez différent de celui d'apparition. On a ensuite posé des questions ouvertes. Alors la première, qui était une question d'explicitation, c'est-à-dire qu'on demande aux personnes de revenir sur les mots qu'elles ont cités dans l'évocation libre et on leur demande de prendre un recul réflexif, d'expliciter pourquoi elles ont choisi ces mots-là,
qu'est-ce qui s'est passé un peu dans leur tête et comment elle justifie un peu ce choix-là. Donc ça, c'est la première question ouverte. On a demandé de commenter le choix de mots et le classement. Et dans un second temps, on pose une question dite de narration, où pour pouvoir... Donc on demande à la personne interrogée de raconter un souvenir concernant un arbre. Et le but de ce genre de questions, c'est donc de pouvoir analyser le contenu de manière plus qualitative. Le fait que ce soit sous forme de narration, donc normalement, ça incite la personne à prendre les codes de la narration. C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et généralement, ça permet, enfin, ce format un peu imposé est censé aussi nous permettre d'avoir accès à, justement, à ce qu'est de la représentation sociale, donc à des lieux communs ou à des choses qui sont attendues, parce qu'on va, enfin, la personne va mettre en récit un souvenir, éventuellement le romancer ou pas. Mais l'idée, c'est que ça donne accès un peu à l'imaginaire des personnes. Voilà. Pour analyser ces éléments-là, donc sur les mots issus du free listing, on fait ce qu'on appelle une analyse prototypique et catégorielle. Donc dans un premier temps, on calcule un seuil maximal de fréquence des mots dans la population qu'on a interrogée, et on considère que ces mots-là font partie de la représentation. Et dans un second temps, on établit des seuils relatifs pour déterminer les différentes zones de la représentation sociale, donc les mots qui sont plus fréquemment cités que la moyenne de tous les mots qui ont été mis dans la représentation sont dans le noyau central. Les autres sont considérés comme des mots périphériques, donc des mots qui sont moins fréquemment cités et cités plutôt dans les derniers, tandis que dans le noyau, on trouve les mots fréquents et cités dans les premiers. Et dans un deuxième temps, on a fait une analyse qualitative, donc des réponses aux deux questions dont je vous ai parlé, et je vais évoquer que la question de typicitation aujourd'hui, ça faisait un peu long. Et donc pour ça, j'ai utilisé une méthode qui s'appelle Alceste, et à laquelle je reviens un tout petit peu après, d'analyse textuelle. Et une autre méthode qui s'appelle la méthode d'analyse des schèmes cognitifs de base. Et il s'agit en fait d'analyser les opérateurs de liaison que les gens utilisent quand ils font un entretien explicatif. Donc là, dans le cadre de notre question d'explicitation, on a cherché voir par quel lien logique les gens explicitaient les associations spontanées qu'ils avaient faites. Je ne sais pas si c'est clair. Pour regarder quelle logique ils utilisaient, quel mode de justification ils utilisaient. Et donc il y a plusieurs, ce qu'on appelle des chaînes cognitives, donc des types de liens qui ont été un peu répertoriés. Donc on a utilisé cette grille-là pour analyser cette question. Pour ce qui est de l'évolution temporelle de la représentation, on a fait une analyse qualitative des éléments périphériques et on a regardé l'effet de l'âge sur la représentation. Alors, pour ce qui est des premiers résultats, nos résultats, ils ont montré surtout la saillance du terme « nature », loin devant tous les autres termes, donc là vous n'avez pas les fréquences, mais il y a clairement un saut entre la fréquence du mot « nature » dans les évocations libres et les autres mots. Après, il y a une forte importance des termes « oxygène » et « feuille ». Alors, ce que j'ai mis en italique avec des petites flèches là, c'est que ça c'est sur le rang d'apparition des mots, et quand on passe en rang d'importance, quand on regarde comment les gens ont classé l'importance de ces mots-là, les mots qui sont en italique avec des flèches, c'est des mots qui changent de position quand on change d'analyse. Les autres restent dans la même configuration. Donc on voit que feuille perd de l'importance et passe dans la périphérie lorsqu'on demande aux gens de classer les mots, alors que le terme beauté remonte lorsqu'on passe dans... Donc ce caractère esthétique, on pensait qu'il serait plus saillant. Voilà, là, on l'a trouvé en périphérie, et quand il remonte, il reste dans la périphérie, mais il passe dans des choses un peu plus fréquentes. Et on remarque que l'arbre reste associé à la forêt, mais qu'elle est quand même en zone potentielle de changement. C'est quelque chose qu'on peut discuter juste après, c'est-à-dire qu'elle est dans la périphérie et pas dans le noyau. Ce qu'on a fait ensuite, c'est une analyse dite catégorielle. Donc on a catégorisé les mots dans des grandes thématiques. Alors, on a gardé nature parce qu'il y avait beaucoup trop d'évocations pour qu'on leur rassemble avec d'autres. Mais ensuite, on a fait une catégorie de fonctions, donc avec toutes les fonctions de l'arbre, donc l'oxygène, production de fruits, l'ombre, etc.
une catégorie descriptive qui parlait de toutes les sous-parties de l'arbre, feuilles, racines, troncs, etc. Donc qui se retrouve dans le noyau. Et cette catégorisation, ça a permis de faire émerger dans la périphérie des enjeux environnementaux qui n'apparaissaient pas dans juste les mots que les gens avaient cités. Mais si on fait une catégorie qui rassemble ces mots-là, donc par exemple pollution, protéger, déforestation, changement climatique, il y en a quand même une fréquence qui permet de... Ah mais vous voyez pas en fait. Voilà. C'est un peu mieux. Qui fait apparaître cette catégorie d'enjeux environnementaux en périphérie, en extrême périphérie. Donc en bas à droite, c'est les mots les moins fréquents et apparus dans les derniers de ces enjeux environnementaux. Alors ce qu'on a fait ensuite, c'est que, donc ça c'était le résultat issu juste des mots, parce qu'on avait juste les mots. Pour comprendre un peu mieux cette représentation, on s'est intéressé à la réponse à la question d'explicitation. Donc, les gens nous expliquent les associations qu'ils ont faites. On a utilisé donc un logiciel qui s'appelle Alcest, une analyse qui s'appelle Alcest, et un logiciel qui s'appelle Iramutec. Ça veut dire analyse des lexèmes co-occurrents dans un ensemble de segments de texte. C'est quoi ? Ça permet de repérer dans un corpus plus ou moins grand les grands thèmes qui émergent de l'organisation du discours. En fait, ça repose sur la découpe du discours en plus petits segments, ce qu'on appelle les unités de contexte. Et l'idée, c'est de créer un indice de co-occurrence des mots au sein de ces unités de contexte. Donc pour chaque mot, en fait, chaque forme active, il s'agit de compter combien de fois elle apparaît dans chaque unité. Donc c'est des données de présence-absence, en fait. Et en fait, la redondance de ces mots dans les mêmes unités va permettre de classer les unités en termes de distance. Donc des unités qui sont proches parce qu'elles ont les mêmes types de mots et des unités qui sont distantes parce qu'elles ont des mots qui co-occurrent, qui sont différents. Et ça permet en fait d'établir des classes de mots qui se différencient par le contraste de leur vocabulaire et de faire émerger donc, les principaux lieux communs du discours que les auteurs de la méthode appellent des mondes lexicaux. Donc, et après, une fois qu'on a ces mondes lexicaux, on en fait une analyse qualitative. Donc, voilà, ça fait une classification hiérarchique sur forme de... Donc, ça fait des classes qui rassemblent les unités de texte qui se ressemblent. Et ce que ça nous montre, c'est quels sont les mots qui sont significativement associés à ces unités de texte qui se ressemblent. Et donc, on voit, nous, ça, on voit qu'il y a trois classes, trois mondes lexicaux qui émergent des explications des personnes. Et je vais vous les détailler juste donc, par la suite. Donc à partir de ces mots-là, des mots qui sont associés aux classes, on peut déjà se faire une idée du thème du monde lexical. Et ensuite, pour comprendre un peu mieux, on peut retourner aux unités de contexte qui ont été classées dans cette classe-là et regarder les phrases que les gens nous ont dit, quels sont les termes qui sont utilisés. Alors si on prend la première classe, qui représente 28% du corpus, qui est représenté par les mots racine, terre, tronc, protégé ou important. Quand on retourne aux unités de texte, on se rend compte qu'en fait c'est une classe qui présente une représentation symbolique de l'arbre et des liens arbre-humain. Et en fait les termes comme racine ou tronc n'ont pas du tout été utilisés comme description de l'arbre, ce que nous on avait mis dans les mots, on pensait que tronc c'était un mot descriptif ou racine. En fait ils l'ont utilisé pour le côté polysémique du terme et les symboles qu'il porte. Donc le mot racine pour le symbole des origines, et donc je peux vous montrer des exemples. Donc une personne qui nous dit qu'il a associé le mot humain à arbre parce qu'il a des racines, et il parle de l'arbre en disant « pour moi ça a toujours été quelqu'un qui est rempli de vie ». Ou quelqu'un qui dit « pourquoi racine ? C'est le sens de la vie pour un arbre et j'allais dire pour tout le monde ». Donc il fait une analogie entre les racines de l'arbre et les racines des humains. Une autre personne qui dit on fait toujours référence à l'arbre quand on parle de nos racines, c'est-à-dire de l'endroit d'où l'on vient, de la terre. Ou encore quelqu'un qui parle du mot vie qu'elle a choisi et qui dit vie, s'il n'y a pas d'arbre, pas de vie, c'est le plus important en Kabylie. Quand on dit de quelle origine, on pense toujours à la racine, c'est le même mot. On se rend compte que cette classe, alors je n'ai pas mis des exemples avec tronc, les symboles, c'est sur le tronc des personnes et le tronc de l'arbre qui lui permet de s'imposer.
Donc là, en fait, on a une représentation qui est symbolique et pas du tout descriptive et qui parle de l'arbre comme un représentant en fait, de l'attachement de l'humain à la terre. La deuxième classe, qui représente 40% le plus grand pourcentage du corpus, à peu près 40%, donc ça correspondait à des évocations descriptives de l'arbre associées à des parties plutôt aériennes, donc les feuilles, les fleurs. Et c'est une classe qui associe aussi au verbe regarder, ce qui semble confirmer la dimension descriptive. Et alors quand on regarde les unités de contexte, de texte qui sont associées à ça, on se rend compte qu'en fait ce caractère descriptif en fait, était utilisé pour mettre en avant un côté esthétique, ce qui n'apparaissait pas dans les mots de l'évocation libre. Alors, si je vous mets des exemples, quand vous m'avez dit arbre, j'ai pensé aux feuilles. Quand je regarde les arbres, c'est vert, c'est pour ça, ça change du gris des bâtiments. Et quelqu'un qui me dit, je ne sais pas, moi il y en a des beaux, regardez comme le cerisier, c'est joli quand les fleurs commencent à prendre, tous les fruitiers, c'est joli parce que c'est beau à regarder. En fait, cette question d'explicitation nous a permis de nous rendre compte que les termes descriptifs, on avait classé dans la catégorie de description, dans un premier cas, il faisait en fait allusion à une représentation symbolique, dans le second cas, il faisait allusion à une représentation esthétique, des choses qu'on ne voyait pas spécialement dans les mots. Et la dernière catégorie, c'est l'arbre qui est vu comme le support des écosystèmes et comme un représentant de la nature. Donc l'arbre est perçu dans ce cas-là comme le garant d'une fonction support des écosystèmes parce qu'il produit de l'oxygène. C'est la représentation ce qui permet la vie sur Terre. Et donc là, il y a le terme humain aussi qui est souvent employé et qui est employé pour souligner l'interdépendance de la nature par rapport et des humains, donc en précisant que l'humain est dépendant de... Donc quelqu'un qui nous dit c'est un rapport direct à la nature, les arbres c'est la nature, c'est la vie, c'est l'oxygène. Ou quelqu'un qui dit l'oxygène ça m'est venu après coup mais c'est finalement le point le plus important, c'est grâce aux arbres que l'on vit, c'est l'écosystème. S'il n'y avait pas d'arbres, on ne pourrait pas vivre non plus. Donc l'analyse ALCES, pour résumer, elle a mis en évidence trois mondes lexicaux à partir des réponses à la question d'explicitation et ça nous a permis d'améliorer notre interprétation des résultats d'analyse des mots issus de l'association libre. Ça a confirmé la place importante du thème de la nature et de l'oxygène en montrant qu'ils étaient fortement liés entre eux. Et ça a mis en évidence le caractère esthétique des éléments de description et le caractère symbolique d'autres éléments comme les racines et le tronc. Je ne sais pas si... Il faut conclure. Ouais. Donc je vais pas vous décrire les schèmes cognitifs de base dont je vous parlais. Donc c'était sur les liens entre l'arbre et la nature. On a regardé la manière dont c'était lié. Donc il y a une grande diversité de types de liens. Et cette intrication arbre-nature, que du coup, j'ai pas développée, mais qui montre vraiment les gens ont du mal à expliquer le lien entre arbre-nature, ils parlent d'équivalence en fait, et donc ça nous a posé la question de l'emboîtement de la représentation de l'arbre dans celle de la nature. Juste parler de ça, et on a regardé en fait les différences de fréquence de la nature entre les catégories de plus de 50 ans et moins de 50 ans, et on observe que la nature est significativement plus fréquemment citée par les plus jeunes que par les plus anciens. Et donc pour nous ça a posé l'hypothèse du fait que l'arbre, la représentation de l'arbre est en perte d'autonomie par rapport à celle de la nature chez les plus jeunes, c'est-à-dire qu'il y avait l'arbre ne bénéficiait plus d'une représentation spécifique, d'un objet spécifique, mais qu'il était complètement englobé dans l'idée d'un représentant de la nature, de quelque chose donc de plus vague et de plus général. Et alors que des mots plus spécifiques liés à l'arbre étaient utilisés par les plus de 50 ans. Voilà, donc en discussion, donc on a discuté beaucoup de la place et la dynamique du mot nature dans la représentation de l'arbre, qui a été assez inattendue. On a observé très peu de références au contexte local des arbres urbains, justement, ou à des pratiques de la part des interrogés, donc ce qui va dans le sens peut-être d'une perte de lien entre les urbains et les arbres. Et on peut... Voilà, je m'arrête. Merci.